Voilà, ça m'énerve déjà. Bon. Plop les gars, j'espère que ça va pendant ce confinement. Et pour ma part, je vais essayer de vous faire passer un bon moment. En gros, il y a quelques mois, j'avais reroll mon Ujinak en Pandawa et j'ai jamais eu l'occasion de le jouer. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'essayer en vidéo en Coliseum 1v1. Du coup, j'ai fait un Coliseum et honnêtement, j'ai trop kiffé cette classe. Surtout que je l'ai joué avec le mode Cthulhu. Je suis conscient que je suis complètement éclaté sur un Pandawa parce que je le connais pas du tout. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Pourquoi pas des petits tips pour apprendre à le jouer d'une meilleure manière. Je tenais aussi à vous demander, en gros, j'ai un upper mage qui dort sur mon compte. J'aimerais savoir en quoi elle reroll et je sais pas vraiment quoi en faire. S'il y en a certains d'entre vous qui veulent me voir jouer une classe en particulier, n'hésitez pas à me demander et pourquoi pas, je ferai un reroll. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse avec le Coliseum. Bon, 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 on a trouvé un colis. Sacrieur again. J'ai aucune idée de ce qu'il faut jouer, j'y connais rien du tout. Il me semble qu'il y a un sort qui invoque. Voilà, c'est ça, prohibition. Bon, je vais jouer prohibition. Je sais pas si c'est si c'est bien ou non. Ouais, bon, je suis désolé par avance de ce qui va se passer. J'ai aucune idée de comment on joue un Pandawa. Mais voilà, il faut tester les différentes classes. Donc voilà, j'ai regardé quelques définitions des sorts. On va voir ce que ça donne, mais honnêtement, je sais pas du tout comment je vais pouvoir le jouer. Alors, bon, là j'ai une ligne de vue sur lui. Je pense que je vais commencer par me fermentation. Et j'aimerais pourquoi pas lui caler un coup d'aile cochu et un coup de cac. Il semblerait être pas trop... Ah voilà, déjà, première chose que je ne savais pas. Ok. Bon, bah je savais pas qu'il fallait... Ok. Bon, bah je savais pas qu'il fallait ne pas être en état sous pour mettre un coup de cac. Je suis vraiment un noob et un débutant en, en Pandawa. Mais c'est marrant. C'est marrant, c'est l'occasion d'apprendre à le jouer. J'ai mis le mode Cthulhu, parce que c'est le mode qui me fait le plus marrer en ce moment. Et par contre, les suckers, ça me fait pas du tout marrer. Donc si jamais il y a moyen de le gagner, ça serait juste excellent. Voilà, super. On se dit ça. Alors... ok, normalement je le full détaque. Voilà, ça m'énerve déjà. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne pourrais pas le souillure, histoire de lui retirer de la puissance? Bon, je vais essayer, ça peut être pas mal. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rebooster mon ébène au corps à corps. Je vais me soin et nauser, histoire d'essayer de me barrer. Oh, je peux encore nauser, oh, c'est fort ce sort. Vite. Yes! Pas eu le temps de bouger, un plaisir. Bah en vrai je me suis régène pas mal hein. Est-ce que je peux encore me fermentation après? Non ça sert à rien, je l'ai encore un tour. La fermentation franchement, enfin je trouve que ça carry, c'est vraiment un sort qui est super fort. Pour l'instant je suis resté tout le temps en état sous. Il faudra que j'utilise la prohibition au bon moment. Ok, il s'est mis en état indéplaçable et il a fait riposte. Alors moi je vais relancer ma fermentation, voilà. Je vais éventuellement me soigner. Pas des masses. Je vais recommencer. Puis bah en vrai je pense que je vais jouer le full soin hein, contre un sacrieur. Ça me semble être la meilleure option. Bon, hop, je vais continuer à me soin. Bon, très peu hein, quand même. La fermentation risque de me carry en vrai. Là il a un double ébène. Il serait peut-être temps que j'essaye de lui caler un coup de Dark Cthulhu. Je joue très mal mais en vrai ça a l'air hyper intéressant quand même. Enfin, l'aspect de soin là est juste énorme quoi. Je peux jouer corps à corps, je peux jouer distance. Ok, donc là c'est mutile. Je pense pas que je puisse le debuff. Qu'est-ce que je peux faire là? Oula. Oula, oula, oula. Alors, hop. Bam. Je vais le lancer là-bas. Je vais venir ici. Me repicole. Là je vais me prohibition. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux mettre ça. J'aurais pas le temps de booster mon ébène. Ok, en plus j'ai crit sur l'arachne. Alors c'est peut-être une erreur parce qu'il va pouvoir se régénérer dessus en fait. Il relance sa mutilation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi? Ouais du coup j'aurais pas dû la mettre, il peut se régénérer dessus. Moi je suis en état insoignable, j'ai pas regardé du tout combien de temps ça durait l'état insoignable. Ah bah apparemment c'est déjà plus le cas. Vous hein, j'y connais pas grand chose. Ok, viens mon corps à corps. Du coup je devrais pouvoir lui débuff. Ah ok. Tac. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'enlever de l'état picole. À la limite, je vais le vague à l'âme, donc je sais que ça va le rapprocher. Et je vais m'écarter histoire de lui mettre un coup d'arc Cthulhu. 400! Full naze. Full naze. Ah, j'aurais pas dû, au fait, j'ai mis un abyssal pour ce combat. Ça servait pas forcément à grand chose. Ouais, peut-être à proc un PA ou quoi. Peut déjà relancer son sacrifice. Complètement fumé.
comme d'habitude. Bon, ah ok, une entaille à moins 1100, super. Zuber. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Là, l'idéal, ce serait quand même que je tente de me régénérer. Donc, je vais cac, picole, et je vais double alcochu. Même pas, en vrai, je vais me faire fermentation. Tac, 480 de boubou, y'a quoi maintenant? En vrai, il me tue, je pense. En plus, il peut relancer sa mutilation, ça va être un combat un peu ridicule. Heureusement qu'il a pas d'ivoire, hein, parce que je galère déjà bien assez comme ça. Je pense que même si je perds cette game, je vous la mettrai parce que c'est mon tout premier combat en panda. Ça risque d'être un peu ridicule, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Oh, il va se mutiler, hein, je pense. Mais non, il me finit en fait. 5 PA. Oh, il me finit large. Oh, tiens, chais. Oh, ça serait marrant que je gagne. J'ai pas d'ébène en plus. Mais non. Mais non. Mais non. 9. Non, je peux faire ça. Ok. Je peux refaire un autre. Tac. Je peux me dépicole. Ok, et là je peux lui mettre un coup de cac de l'espace. Pas du tout de l'espace en fait. Est-ce que je tente? J'ai 75% de crit ici, il faut que je tente. Ok, j'ai crit. Et au cas où, je vais me repicole, ce qui ne sert à rien. Est-ce que c'est GG? Eh ben c'est GG pour mon premier combat en Pandawa contre un Sacrieur. Bah tout ce que j'ai à dire c'est...